Ça y est, Elon Musk a posé son premier implant cérébral sur un humain, mais est-ce que vous saviez ce qui est arrivé aux singes sur lesquels il l'a testé? Cet implant, c'est celui de la start-up Neuralink. Il fait à peu près cette taille-là et il devrait permettre de connecter ton cerveau à un ordi. Comme d'hab, Elon Musk a de grandes ambitions, soigner la paralysie, rendre la vue aux aveugles, mais avant tout ça, l'implant a permis à des singes de jouer à Pong. Regardez, ils sont en train de jouer avec leurs pensées. Sympa, non? Sauf que pour en arriver là, beaucoup d'animaux ont été sacrifiés. 1500 depuis 2018, pour être précis. Alors vous allez me dire, ok, le chiffre est élevé, mais quand on fait des tests sur des animaux, c'est normal. Mais fin 2022, une enquête a montré que ces singes et ces cochons ne sont pas seulement morts, ils sont morts en souffrant. Des implants installés sur la mauvaise vertèbre, des lésions non soignées ou encore de la chair infectée. Des employés de Neuralink ont dénoncé une véritable boucherie. La cause de ce manque d'éthique? Un stress intense et des deadlines impossibles. Alors ça n'a pas empêché l'administration américaine de donner le feu vert pour les essais sur les humains, mais avant de sauter de joie, pensez aux cobayes précédents. D'autant plus que c'est loin d'être le premier implant cérébral en phase de test. Rien qu'en 2019, des chercheurs français avaient réussi à faire marcher un patient tétraplégique grâce à un implant et un exosquelette.